Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis le général Fonko. Bonne fête de Ramadan à tous les musulmans qui me regardent et qui m'écoutent, qui me soutiennent. Aujourd'hui, nous allons parler de l'irresponsabilité des hommes qui abandonnent leurs enfants. Pourquoi certains hommes abandonnent leurs enfants? Nous allons parler également de la stérilité. Je voudrais rappeler ici que aucun être humain ne vient sur terre stérile. Dieu n'envoie aucun être humain sur terre stérile. Parfois, ce sont nos propres actes qui nous condamnent les retours, soit des parents, soit des grands-parents. Des actes que les grands-parents ont causés, aujourd'hui on paye le prix. Ça peut être même une maladie. Donc, arrêtons de condamner seulement les femmes qui ne peuvent pas concevoir. Parfois, ce sont nos sœurs qui sont responsables. Parfois, Dieu vous donne seulement la chance d'avoir un ou deux enfants dans la vie. Mais quand vous tombez enceinte, vous dites, je ne suis pas encore prêt, je veux poursuivre mes études, du coup, tu peux avorter. C'est pour cette raison que j'interpelle toutes les dames, toutes les filles qui me suivent maintenant, même si ce n'est pas erreur, même si c'est un bandit, même si ce n'est pas viol, un jour tu tombes enceinte, n'avorte jamais ma sœur, parce qu'on ne connaît pas le futur. Tu peux avorter comme ça détruit même tes trompes. Demain, tu pourras perdre ton foyer tout simplement parce que tu avais avorté. Or, si tu avais même conçu, si tu avais gardé cet enfant, ça ne devait pas. Non, tu peux perdre un an. Un an. Tu gardes ton enfant, tu accouches et tu continues tes études. Donc, ne fais plus jamais ces erreurs et dis qu'on avorte. C'est strictement interdit, les amis. Même si c'est l'enfant d'un fou, même si c'est un fou qui t'a enceinté. Il faut accoucher parce que si tu avortes, tu risques de regretter toute ta vie. J'espère que vous avez compris. J'ai fait un post hier concernant l'irresponsabilité de certains papas, pères d'enfants. J'ai parlé, fait allusion à l'un de mes enfants. Certains sont venus me traiter d'un irresponsable. Qui sont les irresponsables et qui sont les responsables? Dans cette vidéo, nous allons développer cela. Voici donc quelques cas ou bien conditions, ce qui nous amène parfois à fuir nos responsabilités. Savez-vous donc qu'il y a des familles, quand leur fille conçoit, quand leur fille tombe enceinte, on te conditionne, toi le père de l'enfant, que non seulement tu prends charge sur l'enfant, mais sur sa mère. C'est-à-dire que c'est toi qui payes maintenant la pension, c'est toi qui nourris, donc ça devient comme si c'était ta femme. Je voulais préciser aux parents qu'il y a une différence entre le mari de quelqu'un et le père de l'enfant. À ne pas confondre. Je suis le père de ton enfant, je ne suis pas ton mari. C'est deux choses. Parce que parfois, l'enfant arrive, même pas par amour. On ne peut pas donc te conditionner d'épouser une fille parce que vous avez fait un enfant. Non. Qu'on s'engage pour le mariage. Le mariage n'est pas une blague. On s'engage, il faut d'abord au préalable l'amour. Parce qu'il n'y a pas l'amour, le mariage là, ne va pas mettre long. Savez-vous donc que il y a des parents ici dehors, quand leur fille tombe enceinte, pour que tu aies accès à ton enfant, pour que tu vois ton enfant, pour que tu sois responsable de ton enfant, tu dois changer ta religion. C'est beaucoup plus les musulmans. C'est-à-dire qu'on te conditionne que si tu veux prendre soin de ton enfant, si tu veux même voir ton enfant, tu vas changer ta religion. Si tu étais chrétien, tu deviens musulman. Es-tu prêt donc à changer ta religion tout simplement parce que tu veux qu'on t'appelle responsable? Es-tu prêt? Savez-vous donc qu'il y a d'autres familles, rien que le tribalisme, c'est-à-dire que la fille conçoit, qu'on sent que l'enfant, si, le père de l'enfant, si, est de telle tribu. On t'interdit de ne jamais passer dans cette famille-là parce que, selon eux, la fille ne devait jamais concevoir l'enfant de telle tribu. Vous savez ça? C'est-à-dire que tu fais tous tes efforts pour voir ton enfant, on te met les blocages parce que tu n'es pas de la même tribu que la mère de ton enfant. Savez-vous ça? Est-ce que vous savez donc qu'il y a certaines familles, quand leur fille tombe enceinte, comprenez bien, on t'exige une caution. D'autres même te demandent même de doter l'enfant. Si tu veux faire l'acte de l'enfant, si tu veux reconnaître l'enfant, on t'impose que tu vas doter l'enfant. La dot là, parfois, tu peux dépenser même 1 500 000, hein, même 1 million, même plus.
D'autres te demandent la caution, 500 000. Imagine donc tu es en train de te débrouiller. Tu te débrouilles. Tu cherches même seulement 200 000 pour acheter une moto, même 5e main, pour te battre. Mais on te demande une caution de 500 000 pour voir ton enfant. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas abandonner? Est-ce que c'est de ta volonté? Méfions-nous quand on dit que oh, les hommes sont irresponsables. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que j'explique là. Alors maintenant, parfois, on peut te poser ces conditions. Tu es dans l'impossibilité. Quand tu laisses, tu pars, tu te débrouilles, tu te bats. Quand tu as les moyens maintenant, quand tu veux revenir, on dit, ah, oh, il revient comme ça là parce que bon, tu sais, comme il a un peu de moyens maintenant, c'est un sorcier. Il veut prendre les enfants là pour faire ses rites, pour chercher l'argent avec. C'est ce qui arrive à beaucoup de cas. Je ne veux pas parler de moi. Parce que si je vous explique ce qui m'arrive par rapport à l'enfant, là, vous allez fuir. Donc, c'est vrai qu'il y a les irresponsables. Les irresponsables, généralement, les cas des hommes irresponsables qui fuient carrément. Même quand on leur donne l'enfant, ils refusent. C'est le cas où le gars est venu pour s'amuser. Et directement, l'enfant est entré. Et quand l'enfant il te dit évacue, tu refuses, il dit que je ne suis pas moi, je ne suis pas prêt. Et je condamne ces hommes. Parce qu'il est inadmissible que, même si tu venais t'amuser, mon ami, tu vas assumer. Tu vas assumer. Il fallait te protéger. Donc quand l'enfant est créé, l'enfant ne demande pas à naître. Tu dois assumer. Tu vas assurer. Voilà un peu le cas où on parle de l'irresponsabilité de l'homme. Mais la majorité de 90%, soit c'est la fille, soit c'est la famille de la fille. Et j'invite ici, chers parents, vous qui nous faites le chantage avec les enfants que, oh, tu ne vas pas voir ton enfant, je vais voir par où tu vas passer pour voir ton enfant. Sachez que la technologie est en train d'avancer. Le monde avance. Ces enfants-là, d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils vont avoir les téléphones Android et on va se voir sur Internet. Vous ne pouvez pas nous empêcher de voir nos enfants comme ça à vie. C'était peut-être à l'époque des parents, quand la technologie n'était pas avancée. Quand l'enfant va avoir le téléphone Android, lui-même va découvrir seul son père. Continue à nous mettre les blocus. Une mère est hors du pays. Elle peut être en France. Ton enfant est au Cameroun. Tu cherches à voir ton enfant. Mais la mère te dit que tu ne peux pas voir l'enfant. Tu dis que tu veux être responsable. Tu veux t'occuper de ton enfant. Mais elle t'exige que tu dois passer par elle. C'est-à-dire que tu es au Cameroun, tu envoies l'argent peut-être aux États-Unis ou en France avant qu'elle renvoie encore à sa tante qui vit avec l'enfant au Cameroun. Vous trouvez ça normal? Même si je suis milliardaire, je ne peux jamais faire ça. Vous êtes déjà allé dans un marché, vous avez vu quelqu'un, un vaurien, ou bien un voyou, ou bien un voyou au quartier qui ne sait à rien, un fumeur de tas, une femme venir l'abandonner, l'enfant, que tu es le géniteur. Non, c'est toujours quand tu te bats, ça, tu réussis. Parfois, tu as voyagé, tu étais de passage dans un quartier, tu as marqué ton but, tu es parti. 15 ans, 20 ans après, on t'appelle pour dire que tu sais que le but que tu avais marqué, là, l'enfant était entré. Alors, c'est l'enfant peut-être même d'un voyou comme ça, là, même, qui est quelque part. Tu n'es même pas le père géniteur. Pas tout simplement, on sait que tu as l'argent, on vient couler l'enfant sur ton dos. Il y a beaucoup de cas comme ça. Pour te traiter d'irresponsable après, que c'est ton enfant. Comme tu es, c'est compliqué même pour faire le test d'ADN, tout ça. Là. Si tu es à distance, tu vas faire comment? Il y a des gens comme ça qui prennent soin des enfants. Ils ne sont même pas sûrs sur leurs enfants. On a seulement appelé que papa, le jour qu'on avait dormi ensemble, là, l'enfant était entré. Ça, c'est peut-être 15 ans, 20 ans, 10 ans après. Ne traitez pas seulement les hommes d'irresponsables, machin, tout ça. C'est d'abord aussi nos sœurs. Chers sœurs, pardon, comportez-vous bien. Et chers parents, sachez qu'on ne fait pas le chantage à un homme avec l'enfant. Parfois, nous, on laisse parce que ce n'est pas souvent bien de discuter l'enfant. Mais nous, on veut voir nos enfants. Comment allons-nous faire pour voir nos enfants? Vous nous bloquez, vous nous empêchez. Croyons-nous faire du mal? Mais tôt ou tard, ces enfants vont nous chercher. C'est tout ce qu'on peut dire là maintenant. Et God lui-même voit les efforts de chacun et le cœur de chacun. De chaque père qui veut voir son enfant, mais on l'empêche pour le traiter d'irresponsable. C'était le général Franco. Partagez-moi cette vidéo. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.